Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ce qui est en train de se passer au problème de Bœuf et surtout à la vente où on est en train de publier que j'ai reçu 600 millions. J'ai dit catégoriquement que c'est faux. Je n'ai pas reçu 600 millions. Je n'ai même pas reçu un franc de cette somme d'argent. Alors pourquoi est-ce que je dis, je vais démontrer. Il y a eu 9 villages. Parmi ces 9 villages-là qui ont eu les terrains venant de chef de l'État, Bouadibo a eu 23 hectares. 23 hectares qu'on a eu à faire sortir deux titres fonciers, 17 hectares et 5 hectares. Donc, ça fait, et le choix de Bouadibo que tous les autres chefs ont eu à faire, c'était la devanture. La devanture que vous avez si bien vu et que tout le monde est en train de parler appartient à Bouadibo et appartient jusqu'à présent à Bouadibo, à la communauté villageoise de Bouadibo. Bouadibo, en vérité et toute vérité, n'a perdu que 5500 mètres carrés dans cette parcelle de terrain que Bouadibo doit récupérer dans d'autres villages, des autres 8 villages. Pourquoi est-ce qu'on a perdu 5500 mètres carrés? C'est parce qu'on a eu un financier qui a eu à dépenser beaucoup de son argent pour nous faire des titres fonciers, pour faire le lotissement que vous avez vu, les routes, etc., l'abattage, etc. Cette guerre même qui a tellement plus de temps, c'est ce monsieur qui nous aidait financièrement. Et la banque lui réclamait déjà l'argent. La banque, parce que c'était pas seulement son argent, il a aussi payé l'argent. Et à moins qu'il nous portait même plainte. Il portait plainte aux 9 chefs qu'on lui a escroqué. Voilà, c'est ce monsieur qui a pris les 5 hectares, ces 5 hectares, dans le titre foncier de Bouadibo, que Bouadibo doit récupérer les parcelles dans d'autres terrains. Voilà ce que je peux expliquer. Et que, en passant, j'ai appelé les fils de Bouadibo 2 jours avant cette manifestation que le maire Begedi a eu à causer. Nous savons tous que nous sommes dans la politique. Je suis le premier adjoint au maire de Begedi. Est-ce que la mairie a un budget aujourd'hui? Il s'est dit que c'est Sa Majesté et Longo. Il m'a traduit jusqu'à OTCS. Donc, il y a un fond de ce problème. Il y a un fond qui est là, qui est la politique. C'est tout ce que je peux... Tout à fait. Nous sommes en train d'attendre la levée. Presque tous les villages sont en train d'attendre la levée de la suspension du gouverneur afin de pouvoir appeler chaque communauté d'aller dans leur village. Je mets à défi un fils de Bomono ou de l'arrondissement de Bomadi ou de Bouadibo qui va venir voir un jour que Elongo a vendu un terrain. Parce que, je répète, les terrains là sont récupérables. Tous les chefs, le financier ne pouvait pas prendre 5500 mètres carrés à Bekoko, 5500 mètres carrés. Il a dit, je veux ça en bloc. Ah voilà. Merci.